summer weed. Je me réveille plus les matins, je reste dans mon lit. Good idea. Aujourd'hui, non, je fais rien. Aujourd'hui, je fais l'ancien. Wesh, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, Sirius Tréma, tu connais pas? Non. C'est pas ma queue qui me fera changer d'amis. Pense à brancher l'on plus si tu veux qu'elle crie, ouais. Hello! Bon, j'avais arrêté les vidéos portraits parce que je m'étais fait striker sur la vidéo de The Weeknd. On aime, on kiffe, on adore. Mais pour le mec dont je voulais vous parler dans cette vidéo, on va faire une petite exception des familles. Il était bien temps que j'en parle un petit peu sur YouTube en même temps. Alors, c'est parti. La personne dont je vais vous parler dans cette vidéo fait des tubes incontournables. Elle est vraiment hyper connue, c'est un truc de ouf. Je sais pas si vous connaissez les tubes. Il est connu pour ça. Summer weed, je me réveille plus les matins. Je reste dans mon lit. La good idea. Aujourd'hui, non, je fais rien. Aujourd'hui, je fais l'ancien. Ou alors, ça aussi, c'est pas mal du tout. Ah, je me suis roulé un gros maquis. Inarrêtable, bedwork LM, jean rempli de sable, je t'entendais. Truc incroyable, même pour ce truc français. Comme Iggy Pop, je m'arrête hop. Y'a mes potes et ceux que j'zappe. Non, plus sérieusement, il vaut bien mieux que les artistes qui viennent de passer là. Même si oui, il est moins connu malheureusement que les artistes que je viens de vous montrer. Mais putain, ça c'est un véritable problème les gars. Du coup, l'heure est grave les gars, faut qu'on parle de Sirius là. Il est temps d'en parler. Ouais ouais, donc en fait il est temps que t'en parles. Donc en fait, après cette vidéo, tu vas te lever, tu vas aller en parler à tes proches. Sinon je vais venir t'enculer chez toi. Alors pour vous présenter, déjà premièrement, je ne vais pas citer son nom ni prénom. Enfin, son nom et prénom. Oui, logique. Tout simplement parce que bah il est pas beaucoup affiché, voire très peu. J'ai trouvé son nom et prénom en cherchant sur Google, etc. Mais ça a été genre en se baladant un peu sur Google Images. Oui, sérieux, j'ai fait des recherches sur toi avant de faire cette vidéo. C'est un peu gênant, Pedro psychopathe quand même. Et je n'ai pas de date de naissance non plus, mais ça c'est parce que je l'ai vraiment pas, hein. Je n'ai rien trouvé du tout. Tout ce que je sais, c'est que Mister Sirius Tréma est de Paris. Oui, oui. On dirait trop que je parle de quelqu'un dans un jeu télé. Mister Sirius Tréma de Paris. D'ailleurs, si vous voulez un petit peu une biographie sur sa vie, un peu sur son parcours, etc., vous rentrez sur Spotify, vous allez dans son profil. Et vous l'avez. Il suffit de descendre tout en bas, je crois, dans son profil. Sirius gratte déjà ses premières cordes à l'âge de 5 ans. Chéri, tiens une guitare. Alors que sa tiens, mère a la bonne idée de lui offrir une guitare. Ça pourra te servir plus tard quand tu feras, si tu veux un jour te lancer dans le rap, hein, on sait jamais. Oh, voilà une drôle question. Oh. Il embrasse mais totalement qu'est-ce qui se passe son à ma instrument. Oh, salut, ça va toi? Moi, ça va. Wesh, ça va. Les gars, écoutez, j'ai une idée. On va fonder un groupe. Il fonde son premier groupe avec des amis d'enfance, puis il se retrouve interprète sans trop savoir pourquoi. Fréquente les cours Florent Musique et collabore avec le duo Synapson. Wow, c'est ici les studios de Synapson. Wouah, trop tard. Ah, si je me tape l'encruste. Wouah, ah c'est le barbu là. Le brun. Eh, ça va toi ou quoi? Mais tu fais super peur en vrai. Oh, mais t'es chelou frère. Hein. Pourquoi tu souris comme ça déjà? Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Il y a pas un chauve avec toi non? Si, mais le chauve il est pas là. Il est à un autre studio plus loin. j'ai rendez-vous avec Kungs pour aller voir une pinte frérot. Tu repasseras, on verra ce que tu fais. Avec le duo Synapson, composé d'un chauve qui fait peur et d'un mec qui sourit en voyant le DJ Kungs aux toilettes. Les gars, c'est qui a écrit le reportage là? En plus, sérieusement, Sirius, après avoir collaboré avec le duo Synapson, un duo très très sympa d'ailleurs que j'ai eu la chance de rencontrer à la soirée Virgin Radio Electrochoc. Et non, le chauve ne fait pas peur et l'autre ne rigole pas en voyant. Enfin, surtout ne sourit pas comme un con aux toilettes en voyant.
Kongs en train de pisser, enfin... Bah, bref, on s'en fout, laissez tomber, je me fais des films. Il se lança dans le rap français il n'y a pas très longtemps, et il sortit son tout premier single le 3 novembre 2017, et c'est le fameux Summerweed. Franchement, le tout accompagné d'une bonne petite reprise acoustique postée sur son Instagram. On le voit en train de faire de la guitare. Summerweed, je me réveille plus les matins, je reste dans mon lit. La good idea, aujourd'hui non je fais rien, je vais attendre ici. Summerweed. Juste trop beau les gars. Suite à ça, il sortit LA aussi, Los Angeles pour l'attraction, pour ceux qui savent pas, hein, pour les gens de la télé-réalité, les non cultivés, tout ça, tout ça. Non, LA plutôt très sympa avec une façon de tourner son clip d'une manière assez originale, je vous jure, hein, c'est original pour moi. J'ai jamais vu quelqu'un tourner un clip comme ça, mais je kiffe, hein. J'ai kiffé la manière dont c'est tourné, vraiment. Tirement face cam, à la manière un peu d'un vlog des youtubeuses beauté, tout ça, tout ça. Désolé pour la comparaison sur YouTube. Jean rempli de sable, j'entends des lignes, chante un truc salace, pas revu du tout. Non, franchement, chapeau, sérieux, hein. Récemment, il a sorti aussi Depuis Hier. Bon, le son est un peu plus mélancolique, mais ça me gratte le nez. Le clip ne changea pas par rapport, vraiment par rapport à l'autre, enfin, plus ou moins, la manière de tourner est à peu près la même. Mais on voit que Cyrus a vraiment envie d'y mettre du sien. Et ça, c'est cool, qu'il a vraiment envie de faire ça. Ça au naturel. On y retrouve d'ailleurs Paul et Alex de Synapson. Papille des non-dits, je peux pas les payer. Faudra que je sorte un 11, un truc qui défonce, ouais. Mais j'ai rien écrit depuis hier. Et en revanche, dans son dernier son qu'il a sorti il y a une semaine, je crois, on y retrouve, enfin à l'heure où je tourne cette vidéo, on y retrouve des airs magnifiques de guitare, et ça c'est vraiment un truc que je kiffe, un peu des airs à la flamenco si vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu d'ailleurs ses influences musicales. Faut pas abuser là, les gars. Bref, abonnez-vous. Go voir sur son Spotify. Dans tout ce que je vous montre, je veux vraiment vous faire comprendre aussi que Cyrus, en fait, a quelque chose que les autres n'ont pas, pour ma part personnelle. À vous de juger. Si vous trouvez qu'il est pas du tout original, à vous de juger. Ce n'est pas le cas pour moi. Et franchement, je le défends à fond sur ce style et j'adore vraiment, mais genre vraiment, quand je dis vraiment, c'est vraiment parce que de base, je suis pas du tout fan de rap français, hein, faut le dire. Et c'est vrai que j'en parle beaucoup en ce moment sur les réseaux sociaux parce que déjà, premièrement, ces musiques m'emportent beaucoup en ce moment. C'est vrai que je dis en ce moment des choses pas forcément faciles pour parler très sérieusement car je ne montre pas tout sur Snap et sur mes réseaux sociaux. Mais c'est surtout que je veux vraiment soutenir un artiste qui n'est vraiment pas connu du tout aux yeux de tout le monde et je trouve ça très important de faire c'est un, enfin moi je prends ça un peu comme un geste solidaire entre guillemets de faire connaître en fait des artistes qui ne sont pas forcément connus aux yeux de tout et qui pourtant a tout autant de talent que des artistes que vous écoutez parfois tous les jours dont on parle tous les jours dans les médias. En tout cas, si vous voulez voir Cyrus, évidemment, il fait avec les moyens du bord. Il ne peut pas faire de grands concerts à Bercy, à l'Accor Hotel Arena qu'on voit sur toutes les radios. En revanche, vous pouvez le voir si vous le souhaitez le 20 juin dans une petite salle parisienne qui s'appelle l'ALG, donc l'alimentation générale. Alors c'est à Paris et c'est au 64 rue Jean-Pierre Timbaud. Le 11e et les métros c'est Parmentier, Couronne. Et les métros c'est Parmentier sur la ligne 3, Couronne sur la ligne 2 et Goncourt sur la ligne 11 pour ceux que ça intéresse. Sinon n'hésitez pas à suivre ce qu'il fait sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter aussi, sa page Facebook, tout ça, tout ça. Et à l'écouter évidemment sur toutes les plateformes légales, sachant que c'est pas un artiste très connu, donc évitez de télécharger ses musiques. Alors je t'avoue Cyrus, que on ne peut pas télécharger des musiques via Spotify et j'ai dû le faire avec YouTube etc pour les mettre dans cette vidéo donc j'en suis désolé à l'avance mais au moins j'assume mais ne le faites pas c'est pas bien surtout pour des artistes comme ça qui sont pas connus qui peut-être galèrent j'en sais rien je connais pas sa vie financière mais vous m'avez compris donc voilà allez l'écouter surtout sur des plateformes légales il est dispo sur YouTube hein, je pense qu'on a tous internet aujourd'hui donc bon c'est tout bête hein. Vous pourrez peut-être pas l'emmener partout dans le train dans l'avion mais au moins pour l'écouter. Et surtout, c'est très important de dénicher les talents.
talents de demain, alors parlez-en autour de vous parce que je trouve ça bien plus cool de dénicher des talents qui sont connus via d'autres artistes, etc., qui font des trucs vraiment assez originaux ou assez sympathiques, qui font tout d'eux-mêmes, etc., qui travaillent comme des acharnés pour malheureusement que dalle, hein, malheureusement, je dis bien, que des artistes qui sont connus médiatiquement ou avec, avec la télé ou des choses comme ça, style des artistes qui sont connus via The Voice, etc., dont j'ai absolument rien contre, hein, je suis ouvert à tout type de musique, je suis pas la première personne à dire t'écoutes des gens trop connus donc je te déteste, c'est trop commercial. Non, pas du tout, mais je trouve qu'il faut être vraiment ouvert à tout type de personnes et ça peut être tout à fait bien. Moi ça m'a vraiment fait changer une mentalité que je n'avais pas avant. C'est vrai qu'il y a 2 ans, pour moi les artistes inconnus c'était comme le cancer de la société. Oh bye bye. Mais en fait non, j'ai changé d'avis. Merci à Paul et Alex d'ailleurs de Synapson qui m'ont vraiment fait changer d'avis sur ce point-là. Bon, on en a pas discuté, mais à travers leur univers, etc., c'est des choses que j'ai tout à fait compris. Bref, je vous dis à plus sur une prochaine vidéo. Bye. Comme Iggy Pop, je m'arrête à... Sur des airs de guitare et puis